Moi, j'ai choisi la spécialité sciences de l'ingénieur pour mon parcours professionnel parce que j'ai objectif de faire une école d'ingénieur dans le futur pour devenir ingénieur. Et en plus, cette spécialité, elle est très complète avec 2 heures de physique en plus. Bah, ce qui me plaît, c'est le travail, il est concret. On travaille sur des projets, sur des technologies concrètes. Et donc, ça permet de voir l'utilité de notre travail, alors qu'en physique, c'est plus théorique. Là, on est en conditions restreintes, donc ça permet de comprendre plus vite. Il y a une bonne ambiance et puis on peut s'aider les uns les autres. La section européenne, c'est surtout ce qu'on m'a dit que c'était un point positif pour mon avenir. Ça faisait toujours quelque chose de plus à mettre dans le dossier. C'est vrai que ça permet de s'améliorer en anglais. Et puis, il y a une bonne ambiance, on n'est pas beaucoup. C'est que du positif. On est avec un professeur d'anglais et un professeur de sciences de l'ingénieur. On travaille sur des projets essentiellement et puis après, on fait des études de documents pour se préparer à l'épreuve du bac. Everything that matters is the DNL section. But what is the DNL section? Hi there, so can you explain what you're doing for your European section in SI? Yes, of course. So we're working on a small project of 6 weeks. Which is this robot, which is made to greet you when you enter at the door. And a color sensor to detect which color of clothes you're wearing. We work on a subject, most trap car, I caution you. And the idea was to create a car with a most trap car with the help of the spring. Les élèves de seconde Euro SI concourent au championnat des mini-entreprises. Pendant une année scolaire, ils quittent leur fonction d'élèves et deviennent de véritables entrepreneurs, ce qui les amène à développer des compétences fondamentales pour leur vie future et croire en leurs capacités.